La locomotive a quelque chose de vivant. Nous sommes séduits par son allure majestueuse et l'élégance de ses formes, mais aussi par l'impression qu'elle nous donne de force disciplinée et de sécurité, celle d'un bon géant qui obéit à l'homme. Chaque locomotive a sa puissance. Elle a sa personnalité, son caractère, tout un ensemble de qualités qu'il est essentiel de connaître si l'on veut qu'elle remplisse comme un serviteur fidèle et sûr la tâche qui lui est assignée. Ces qualités, on les détermine par des essais. Essais au banc et essais en ligne. Commençons par les premiers. Essais au banc. Ici, tandis que la locomotive fonctionne, elle est solidement attachée. Ce n'est pas elle qui avance, mais c'est le sol qui se dérobe sous elle. Le banc de Vitry-sur-Seine est le plus moderne et le plus puissant du monde. C'est le seul qui soit utilisé d'une façon permanente. Les chemins de fer français qui l'ont construit y mettent à l'épreuve tous leurs types de locomotives. Voyons comment est fait le banc et le principe des essais. Le banc comporte 8 paires de roues à essieux parallèles. On les appelle des rouleaux. Ils sont destinés à supporter les roues de la locomotive à étudier. Voici un de ces rouleaux. Plaçons-nous de profil, nous voyons mieux ainsi comment la locomotive viendra s'appuyer sur les rouleaux. La locomotive sur le banc sera solidement attachée. On la fixera à une barre d'attelage au moyen d'une cheville. Suivons la barre d'attelage. Nous aboutissons à un appareil dont elle fait partie et sur lequel s'exercera l'effort de traction de la machine à l'essai. C'est le dynamomètre. Il mesurera cet effort. Il est puissamment ancré dans de massives fondations pour supporter l'énorme traction à laquelle il sera soumis. Voici le dynamomètre dans sa cabine. Il est relié à des appareils chargés d'enregistrer ses indications et qu'on aperçoit dans la cabine supérieure. C'est la cabine d'enregistrement dont nous reparlerons tout à l'heure. Revenons au rouleau. Les roues de la locomotive, en tournant, entraîneront les rouleaux. Mais comme ceux-ci n'offrent qu'une faible résistance, il faudra les freiner pour régler la vitesse, sinon les roues, évidemment, s'emballeraient. Le freinage s'obtient en accouplant à des freins hydrauliques les rouleaux correspondant aux essieux moteurs de la locomotive. Voyons ici un de ces freins accouplés au rouleau. Le banc de Vitry comprend 3 freins sur chacun de ses côtés, ce qui permet d'y essayer des locomotives ayant jusqu'à 6 essieux moteurs. Voyons maintenant comment on procède à un essai. On commence par préparer le banc. Par des commandes mécaniques d'une grande précision, on déplace les rouleaux et les freins accouplés pour les mettre exactement à l'aplomb des roues de la machine à étudier. Le déplacement se fait sur des crémaillères rigoureusement parallèles et s'appuyant sur de profondes fondations. Le banc étant ainsi préparé, la locomotive arrive en reculant sans son tender. Nous allons voir comment elle va venir se placer sur les rouleaux.
Les roues quittent les rails et s'engagent par leur boudin seulement dans les ornières d'une plateforme qui maintiendra la machine au-dessus des rouleaux. La locomotive roule sur la plateforme. Les roues passent sans les toucher au-dessus des rouleaux. Après que la machine a été attelée à la barre du dynamomètre, la plateforme s'abaisse, puis s'efface, laissant les roues se poser sur les rouleaux. Ce mouvement de descente dure plus de 5 minutes. Nous allons le voir très accéléré. Une grande précision est nécessaire. Avec un appareil spécial, on vérifie à moins de 1 mm près que les centres des roues et des rouleaux sont sur la même verticale. Ensuite, les essais commencent. Notons d'abord que pendant ces essais, le charbon sera pris dans un coffre reposant sur une bascule. Il sera exactement pesé. De même, l'eau alimentant la chaudière sera fournie par des réservoirs jaugés remplaçant le tender. Arrivons aux essais. Le mécanicien agit sur son régulateur comme si sa machine était en ligne. Les roues se mettent en mouvement. Mais la locomotive, attachée, ne peut pas avancer. Tout son effort s'exerce sur le dynamomètre, tandis qu'elle fait tourner les rouleaux. D'autre part, un opérateur commande les freins pour régler la vitesse. On pourra ainsi répéter les essais à différentes vitesses, jusqu'à par exemple 140 km à l'heure. Voyons en passant comment fonctionnent ces freins hydrauliques. Examinons dans une coupe ce qui s'y passe. L'eau contenue dans le frein tourbillonne dans les alvéoles et ses mouvements absorbent de la puissance dans une proportion qu'on peut régler. Plus on admet d'eau dans le frein, plus on absorbe de puissance et plus la vitesse diminue. Moins on admet d'eau, moins la résistance est grande et plus la vitesse augmente. La vitesse est mesurée au moyen d'un compte-tour adapté à l'une des roues motrices. Les indications fournies par le dynamomètre et par l'indicateur de vitesse sont transmises à la cabine d'enregistrement. Sur une table s'inscrivent l'effort de traction et la vitesse, ainsi que le travail et la puissance qui s'en déduisent par le calcul. Ce calcul est fait automatiquement par un mécanisme d'une grande ingéniosité et d'une admirable précision. À ces données essentielles qui caractérisent la machine s'ajoutent d'autres renseignements utiles. Ils sont fournis sur un tableau où s'enregistrent les températures et les pressions transmises par des appareils qui auscultent les organes de la locomotive. Les essais terminés, la locomotive, dételée, quitte le banc. Ces essais font connaître les qualités de la machine. Mais la locomotive sur le banc n'est pas dans son élément. Quand elle roulera sur des rails et qu'interviendront la résistance de l'air, les chaos de la voie et les intempéries, que deviendront ses qualités? C'est ce qu'il faut étudier par des essais en ligne.
essais en ligne avec machine frein. On fait ces essais à vitesse constante sur une ligne d'au moins 100 km de longueur afin que les résultats soient concluants. Voici comment on procède à un essai. On forme un convoi comprenant, bien entendu, la locomotive à étudier, puis une voiture spéciale en relation avec elle et aménagée comme une cabine d'enregistrement. C'est la voiture dynamomètre. Voici cette voiture. À la suite, on a attelé plusieurs locomotives, dites machines frein, dont nous comprendrons le rôle dans un instant. Ici, dans l'essai que nous allons suivre, il y a trois machines frein. Comme au banc, la locomotive à l'essai est munie de divers appareils pour l'analyse des gaz, la mesure des températures et des pressions. Avant le départ et pour connaître la consommation de la machine, on a pesé le charbon. On verra ce qu'il en reste à la fin de l'essai. De même, après avoir alimenté d'eau le tender, on jauge au moyen d'un niveau la quantité qu'il en contient. Au retour, on mesurera ce qui reste en tenant compte éventuellement des pertes en cours de route. Tout est prêt, on peut partir. Le convoi démarre. Au début, la locomotive à l'étude se laisse entraîner. Ce sont les machines frein qui poussent le convoi jusqu'à ce que soit atteinte la vitesse à laquelle on veut conduire l'essai. Une fois la vitesse établie, la locomotive à l'essai entre en action. C'est elle qui assure la traction. Les machines frein, au contraire, en battant contre vapeur ou en marchant en compresseur, opposent leur résistance afin de maintenir la vitesse à sa valeur constante. Le mécanicien de l'une des machines frein contrôle à chaque instant la vitesse. Il manœuvre s'il y a lieu pour la maintenir constante. Entrons dans la voiture dynamomètre. Son aspect intérieur rappelle celui d'un wagon-salon où l'on aurait installé les mêmes appareils de mesure que ceux de la cabine d'enregistrement du banc. Nous y retrouvons les mêmes dispositifs. Ici encore s'inscrivent l'effort de traction, la vitesse ainsi que le travail fourni par la locomotive à l'essai et sa puissance. Les résultats obtenus complètent ceux qu'a donné l'épreuve au banc. Ils ne sont pas encore suffisants. On doit se demander en effet comment se comportera la machine quand elle remorquera un train donné sur une ligne de profil donnée. En un mot, quelles sont ses aptitudes? Quel sera le résultat commercial? Essais en ligne sur un train donné. La locomotive remorque dans des conditions normales un train commercial qui comprend une voiture dynamomètre. Les essais sont conduits comme les précédents, avec cette différence qu'ici la vitesse est variable. Voici le train qui s'en va, remorqué par la locomotive à l'étude. Derrière elle, nous voyons la voiture dynamomètre où s'inscriront les résultats au cours d'un voyage normal. On répétera les essais avec des trains légers ou lourds, rapides ou à vitesse moyenne, en ligne accidentée ou en pleine.
Ici, par exemple, c'est un train rapide circulant entre Dijon et Paris que remorque la locomotive en cours d'essai, une 240P, modèle couramment employé pour les rapides de la région sud-est. La table dynamomètre enregistre les diagrammes. Ce que nous voyons s'inscrire concerne la vitesse et l'effort de traction. Pendant que ces courbes se tracent, citons quelques résultats. Au cours de ce voyage, la machine a atteint une vitesse de 100 km à l'heure et développé une puissance allant jusqu'à 3500 chevaux. Elle est loin d'avoir donné son maximum, puisqu'elle peut remorquer à 140 km à l'heure un train de 650 tonnes. Les 4400 chevaux qu'elle fournit dans ces conditions équivalent à la puissance de 110 automobiles de type moyen. Elle consomme alors, en une heure, 25 tonnes d'eau et 4500 kg de charbon, soit 10 pelletées à la minute. Cadence dure à soutenir. Aussi, pour faciliter le travail du chauffeur, les machines 240P sont-elles pourvues d'un chargeur mécanique. Après ces trois types d'essais, on a complètement ausculté la machine. On connaît bien ses qualités. Elle prendra place alors parmi ses congénères et deviendra comme elle le serviteur fidèle sur qui l'on peut compter. Au cours de sa longue carrière, des milliers d'existences humaines lui sont confiées. Toujours obéissante à la vigilante équipe du mécanicien et du chauffeur qui la conduit, elle remplira son rôle sans défaillance, celui d'assurer la régularité et la sécurité des transports. Et lorsqu'un jour elle vous aura amené au terme d'un long voyage, ne serez-vous pas tenté de la remercier d'un salut amical ?